manque le début, c'est important. Hein. Et c'est un départ pour le 3000 mètres marche. 7 tours et demi de piste. Hey, c'est n'importe quoi. Là. Ça me ça en marche. Je crois pas qu'ils font 3000, 1500, 800. C'est toute la même filière énergétique là, pour la marche. Là. C'est comme si nous autres, on avait un 2000 mètres, un 2500 mètres. Pourquoi 800 mètres marche, c'est 4 minutes? Fait que ça va être 3000 mètres. Ça va être 15 minutes. 12 minutes peut-être. Peut-être le premier il a l'air bon. D'après moi 12 minutes. Ouais, mais d'après moi c'était un marcheur. Tu sais que c'est la technique là. C'est William Gagnon du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en tête. Suivi de Thomas Laviolette de Laurentine Donadière. Veux-tu t'essayer tantôt? Non, pour filmer. Tu veux que je filme? Je suppose que c'est de la marche, mais il y a des affaires de l'envers. Peut-être qu'on va penser, on va me filmer en train de faire ça. C'est genre, que ça, c'est rare. De quoi, ça? Je que c'est rare, c'est du 60. Ça a l'air de me péter, je me suis un gamin qui est aux Et aujourd'hui, ça se parle des blessures? Non. Ah ouais. Donc, après 400 mètres de complété, c'est toujours William Gagnon. Il est en tête. Mais si tu veux un autre blessure, je peux te dire, je peux venir à ta table. Tant que t'es tendon d'Achille, tu vas avoir ton autre blessure. Ouais, non, non, que je veux sur le terrain. Je suis à courir, je vais me blesser tout de suite. Je fais un axel de 10 mètres, je suis blessé. Et là, tu m'as tendu, je peux pas faire grand-chose. C'est ça. Le ligament non plus. À moins de le replacer à sa place. Abusé, mais tu sais, c'est savoir, c'est en aigu. Quelqu'un me dit, ah, ça fait un mois, j'ai mal. Moi aussi, pour traiter le monde à long terme, je suis là. T'as mal là, puis là, ça peut t'aider. Mal immédiat. Puis là, mettre de la glace. Ouais, la glace, ben, il s'en donnait, mais c'est ça que mon gars. T'aimes pas s'en donner? Ben, non plus, j'aime pas ça recevoir de la glace. Ça. Je suis pas un triple de glace. Tu sais, inhibe ta douleur, mais ça ne fera rien, ça ne réglera pas le problème, ça ne guérira pas. Non, c'est ça. Thomas Laviolette. Il y en a qui font des bains de glace à tous les soirs, hein, après le l'entraînement. Ouais, mais ça, c'est pour aider musculairement, le drainage, le cycle sanguine, OK. Pour vrai, hein. Bon, chez les filles, nous avons aussi Elisabeth Simard. Ouais, je vais laisser la caméra de même. Elissa Jean. Qui suit de près Rebecca McCauley. Donc ça sera une belle lutte chez les filles, trois participantes qui sont très prêtes. Allez, bleu pour de vrai. Non, non, de Lac-Saint-Louis, Montérégie. Okay. Ben, je pense que c'est peut-être... Non, on devrait juste qu'on fait la route de sortie. Toi, tu viens ici? T'as étudié à Sherbrooke? Ouais, j'ai étudié à Sherbrooke. Tu étudies en quoi? En admin. En admin? Ouais. En finance. Non, ouais. Des grosses cohortes, ça. Ben, juste finance, juste. Non, pas tant. On est admin tout ensemble. Admin, c'est des grosses cohortes. Plus gros que Kin, ouais, mais c'est parce que Kin, t'étais avec Escarton Physique aussi. À Sherbrooke, je l'aide, mais moi, j'étais à l'Université Laval à Québec. Ah ouais? Donc, moi, j'étais dans la faculté de médecine. Ouais?
Viking aussi, je pense, dans la faculté de médecine. Je pense que chaque fois, ils vont changer, ouais. Comme Antoine, ouais, c'est pas la même place. Québec, c'est la même place. De... Les facultés de... Mais... Genre, la faculté de médecine et toutes les autres facultés. Oh, ouais, on est tous dans le même... C'est ça. D'autres, c'est comme à 20, 25 minutes de char. OK, c'est pas dans ce même campus? Non, non, pas. Ouais, t'as le camp... Tu connais Sherbrooke? T'as le campus? Je suis allé une fois l'année passée. Aucun des amis. Non, puis c'est pas vrai. Rocktoberfest? Non, 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 je suis allé... C'est pas vrai, j'étais allé à Bishop. Fait que c'est la première fois que j'ai vu Sherbrooke. Ah, ouais. C'est tranquille comme ville aussi. T'es un petit peu plus haut que Trois-Rivières. Pour l'université, bon, ça fait partie, là, quand c'est le temps des études, là. Quand c'est le temps de pas étudier? Hein? Quoi? C'est quoi t'as dit, quand c'est le temps d'étudier? Non, non, quand c'est le temps des études, là, quand il y a des... Ah, oh, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est parti, ouais. Les amis, ah, ben, à la aussi, t'as des parties. Ben, j'étais allé au PUBU un jour du soir, là, puis c'est... J'ai jamais vu une place remplie de monde. Mais c'est pas juste là que... Donc, on vous rappelle que nous avons une cantine aujourd'hui pour ceux et celles qui désirent aller se chercher un bon café. Nous avons également ce matin des croissants Montréal, c'est fait. Et pour le lunch ce midi, nous avons une boîte de lunch à 7$. Dans cette boîte à lunch, vous allez trouver des sandwichs, un jus. Pour ceux qui comptaient rester des noms, il y a des appartements. C'est des étudiants à la partie. J'ai la cantine. Nous avons une boîte à lunch. Ils prennent le métro, ils prennent des affaires. Ouais, mais si tu veux vraiment faire le party, tu veux tout le temps. On vous rappelle également qu'à la tente Showmax, plusieurs activités sont organisées par Showmax et Subway. De l'animation, des concours. À 45 minutes de ton école. Des néo-chocolats, bar tendre. Moi, je viens d'en audio. Donc, c'est ouvert aux spectateurs. Tu connais Ariane Charles? Nous avons également M. Yann Martin d'Athletics Canada qui est là pour nous présenter le développement paralympique, donner des informations sur les grands événements qui s'en viennent cet été, les Jeux olympiques et paralympiques de Rio. Doré a fait de l'athlétisme pour toi. Oui, oui. Puis, il est dans l'athlétisme. Je savais aucunement c'était qui avant récemment. Ah oui? Ben, depuis peut-être 3 ans. On continue à encourager nos marcheurs. C'est toujours William Gagnon du Sac des Lacs Saint-Jean qui est Martin en tête. Angel. Je pense que c'est le bon ami Martin Angel. Et nous avons une belle lutte ici entre Thomas Laviolette et son coach, Rebecca Mécollé. Donc on les encourage. Ah, je laisse avec la meilleure de main. Ben Guillaume. C'est qui c'est Guillaume? Ah là, lui à gauche? Ah, je sais pas c'est qui, il me dit allô tantôt. C'est des activités, je pense, d'athlétisme, puis cheerleading, je pense, dans l'air sec. Ah ouais? La montée. J'avais déjà vu la face, je sais qu'il y avait... Elle a cours, hein, ça veut dire. Elle a cours, elle. Je pense. C'est l'école, actuellement? Ouais, peut-être qu'un petit cours, peut-être à l'arrière, parce que... Je sais pas. Ouais. Je te tourne là, puis moi, là, on faisait une étape d'athlétisme, là. Puis j'ai fait, nous autres, dans l'école, j'ai fait de la marche rapide juste parce qu'ils m'ont mis dedans, parce que fallait quelqu'un, là. J'avais fait ça, il dit, faut pas te sauter, moi, il me collait tout le temps. Puis j'étais comme, je suis pas, je suis la seconde chance, là. Tu sais, quand il te colle 3 fois, t'es disqualifié. Ouais, ben c'est ça. Mais t'étais disqualifié. Pas disqualifié, mais tu sais, j'ai eu 2 cases, là, j'étais comme, Chris. C'est normal. Il collait tout le monde, là. Il y avait pas tout le monde là, qui se fait de la marche rapide, là. Au secondaire, là, c'est pas que... T'as juste à marcher, puis il faut pas que... Ah, ouais, non, mais Mané, tu sautes, Mané, t'as mal, là. Ben même les gros, ils sautent une petite affaire. Les règles sont ambiguës. Ouais, c'est ça, c'est pas toi, là. Mais tu travailles-tu dans ton domaine ou t'es encore en train d'étudier? Je suis encore en train d'étudier. Là, je filme la face des filles. Il reste 1 an. Ah, hey Bob! That's quick, yeah! That's what I try to encourage her! Alors, plus que 3 tours à faire pour notre leader, William Gagnon.
T'as pas de retourner à Laval, toi, ça? Non, ça se donne pas. Ça prend un petit temps, c'est... C'est toujours une chaude lutte entre Thomas Laviolette et Rebecca McCauley, eux aussi. Ah, mais c'est une affaire qui ressemble, je pense. Un programme qui ressemble à Laval. Non, c'est la future. Non, mais c'est quoi le nom du programme? Intervention sportive? Ouais, c'est ça. Pas une affaire, hein. Au deuxième rang chez les filles, c'est Elisabeth Simard du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En préparation physique. Et au troisième rang chez les garçons, Jonathan Beloche. De la montée. C'est comme à Sherbrooke, c'est science de l'activité physique. OK. Que toutes les... Ah ouais, science de l'activité, parce que nous autres, c'est le nom global de... Mais c'est comme juste un an, c'est un certificat. C'est comme un début de certificat avec elle. Ouais. Nous autres, c'est un bac. Je pense qu'il accepte tout le monde. Tu veux monter ta cote, tu vas là-dedans. Puis... Ouais, c'est pas... Fait que très dur, c'est de toucher un ami qui est à la fin. Ouais? Ça va? Ça donne une petite barbe. Il n'y a pas de lancers, il n'y a pas de sons. Ouais, ils sont tous à l'autre bout. Ah, ok, les sons en tâche. Ouais, non, les lancers sont tous là-bas. Donc, les verts. Aucun lancer. Les sauts sont à l'autre bord de la tente. Ah, non, je sais, mais il y a pas de sons. Go, go, go! On lâche pas le pied! Il y a une discipline qui est en cours. Ok, viens! Ouais. Moi, la musique est bonne. C'est la Martin. C'est Martin le DJ? Roger! Absolument, là. Va le rejoindre! C'est Martin, s'il connaît. Bon, quand à cause de Marc, là, il va aller prendre une bière avec eux autres. Vont se prendre bien sur les organisateurs, sûrement. Hein? Vont se prendre bien sur les organisateurs. Je sais pas, sûrement je sais pas. De toute façon, je pense que je sortais, moi, ça, je suis pas sûr. Ça se fait tard. À quelle heure? Ah, c'est vrai. Ah, j'ai un ami qui court à 8h. Ouais. Sauf que il y a une pause entre 10h et 8h. On continue d'encourager nos athlètes. 8h, c'est... De Elmi finit à 6h, après ça la compétition, il y a deux encourage, il y a deux plus d'énergie. Des showcases, des courses plus... On appelle les athlètes qui participent à la finale du 100 mètres de course. Qu'il y a des garçons, ainsi qu'au 100 mètres de course, les juvéniles garçons à se présenter à l'heure d'échauffement. Mais c'est sur invitation. Après cette course de 3000 mètres marche, nous allons faire la finale pour les faits, en commençant par les Benjamin King. Donc, ça sera la prochaine épreuve sur la piste. Mais il y a juste deux courses là-même, hein. Trois courses. C'est pendant cette course. Non, c'est pas pendant. C'est à 8 heures. Ah, oh, c'est à 8 heures, c'est à 8 heures. Entre 6 et 8, il y a un trou. Je pense qu'il a lapé tout le monde le premier. De quoi là? Il a lapé tout le monde. Ouais. C'est plus et de, il va rester un tour à faire, je pense. Non, pourquoi? Ils t'ont disqualifié. C'est qui t'a disqualifié? Alors, Thomas Laviolette augmente la cadence. 3, 4, 2. On aura droit à un dernier tour rapide. Okay. On continue d'encourager est-ce nos athlètes. Est-ce que t'as dit pourquoi? Yo, c'est injuste.
Elisabeth Simard au deuxième rang chez les filles aussi se rapproche de Rebecca McCauley. Donc on aura droit à un super dernier tour. Non, je parle à l'intérieur. À l'école, là, à l'école. Voilà, ouais. C'est un autre gars qui va gagner finalement. C'est un autre gars qui va gagner. C'est un autre gars? Ouais. Donc avec 200 mètres à faire, c'est Thomas Laviolette qui est en tête. William Gagnon, toujours très près. Et chez les filles. Mais je pense pas, regarde, il y a un gars en avant. Allez, crée un écart. À moins qu'il l'aille lapé. Avec. Ben moi tout, mais il l'a rattrapé tantôt. Elisabeth Simard. Il a l'air quand même en chèque. Hein? On va le savoir tantôt. Ouais, c'est ça. Je sais pas si elle a une réponse. Cherchez. Je qu'elle vient d'ici. Là, je suis la face à quelqu'un. Ah, excuse-moi, juste manteau bleu. Oui, excuse-moi. J'étais-tu dans la vidéo, t'étais là? Ouais. pendant 10 minutes, t'étais là. C'est ça, mais c'est ça, il a dit. Peux-tu mettre ton nom sur la vidéo que tu te regardes? Oui, mais moi, là, félicitations à Thomas Laviolette qui remporte cette course de 3000 mètres marche. Bravo! Ah, man! Mais il est spécial à côté. Suivi de William Gagnon. Belle course quand même, finalement. Et chez les filles, Unexpected. Rebecca McCauley l'emporte. Nous autres aussi. Tabarouette. Suivi d'Elisabeth Simard. T'es pas sûr? Ça sera troisième chez les garçons, Jonathan Meloche. Félicitations. Et c'est les sergents du relais du Québec qui complètent chez les filles, bravo! Moi, j'ai pas fini ma marche quand j'ai gagné. Let's go, Jay! Let's go, Jay! T'es capable, ça va, go, go! Fais-nous bien, on l'a fait! Yeah! Yeah, mais c'est top! Non, mais c'est fait. Tu vois pas, ça va, c'est bien. Tu vois, tout le monde, il est juste en train de faire. Vraiment pas facile à faire. C'est long, tout ça, la fin. Elle est sans famille avec elle. Moi, je suis rendu devant l'arbitre, voir qu'il passe. Parce que je voulais que ça soit... Ah non, mais ça, tantôt, ils vont venir nous les porter dans le
Donc on encourage notre participante aux 3000 mètres marche. Bravo, elle complète sa course. On vous annonce aussi nos médaillés pour le lancer du javelot cadet masculin au troisième rang de Québec-Chaudière-Appalaches. Charles-Antoine Bolduc avec un lancer de 45 mètres 65. Au deuxième rang de Lac-Saint-Louis, Nelson Atambi avec un lancer de 46 mètres 98. Et au premier rang de Québec-Chaudière-Appalaches, Charles-Olivier Bolduc avec un lancer de 47 mètres 01. Félicitations. Donc bravo à tous nos participants aux 3000 mètres marche. Vous avez bravé la pluie. À cette épreuve difficile. Bravo! Donc, prochaine épreuve en piste. Finale du 80 mètres E, Benjamin Féminin.